Le phénomène OVNI est une affaire sérieuse. Depuis des décennies, des phénomènes sont observés dans l'atmosphère par des milliers de témoins, des dizaines de milliers de témoins. Il convient d'essayer de trier ce qui est du domaine du fantasme, du domaine du fait observé. C'est ce qu'on va faire ce soir avec trois invités exceptionnels qui, chacun dans leur domaine, se sont penchés sur ce dossier très sérieusement. J'aime l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers. We don't know what they are. We know that there's a phenomenon and we all agree about that. Je pense que les personnes, parfois les responsables qui donnent des réponses bidons, ce sont pas forcément des sceptiques, mais juste des personnes qui préfèrent donner une réponse bidon que de répondre je ne sais pas. Notre espace aérien est utilisé par des engins qui n'ont pas l'autorisation d'être là et qui ont des comportements assez spéciaux. Il y a une caractéristique qui nous oblige de mettre cette dernière hypothèse-là à la poubelle, c'est le comportement intelligent observé. Je dois dire que pour moi, l'option extraterrestre est ouverte. Hein. C'est énorme d'entendre des choses comme ça. Enfin, moi, ça me fait des frissons à chaque fois. Merci à vous trois et à toi d'être avec nous ce soir. En quelques mots, Jean-François, vous êtes astronaute, vous avez volé trois fois dans l'espace. Alors je suis super jaloux parce que je rêverais de faire ça. Leslie, vous êtes journaliste, vous avez travaillé sur d'autres sujets et puis vous êtes venu à vous intéresser au phénomène des ovnis il y a quelques années et vous avez appliqué avec... une rigueur absolument extraordinaire, vos talents de journaliste à un sujet qui n'est pas facile d'enquêter. Ce livre est vraiment formidable. Enfin, je le redis encore une fois, je le redirai plusieurs fois. Et Général de Brouwer, je suis encore plus ravi de vous avoir ce soir avec nous. Vous étiez, au début des années 90, le responsable de la force aérienne belge. Et à ce titre, vous avez chassé les ovnis, si on peut dire. Vous allez nous raconter ça. Déjà, en quelques mots, chacun de vous... Peut-être on peut commencer par Leslie. Ce sujet, c'est pas vraiment sérieux en fait. I happen to think it's a very serious, very very serious subject. Bon, moi, il se trouve que je considère que c'est un sujet très très sérieux. And when I began looking into this, I wasn't sure, but I spent 12 years looking into the subject from a journalistic perspective before I wrote the book. Et quand j'ai commencé, je n'étais pas vraiment tout à fait sûre, mais j'ai passé 12 ans, 13 ans de recherche et d'enquête avant d'écrire ce livre. And over the years, I have met and spoken to and interviewed and come to know many witnesses and many very high-level officials like General de Brouwer, General Leti here in France, many others who are well aware that we have a genuine phenomenon on our hands here. Et au cours de toutes ces interviews, de toutes ces recherches, j'ai rencontré des tas de gens, des tas de témoins, et puis des officiels de très haut niveau, comme le général de Brouwer ici, et le général Leti en France, qui sont tout à fait conscients que là, nous avons un sujet vraiment authentiquement important. And in fact, the reason I first got involved with this was because of a report that came from this country, from France, the Cometa report, written by a group of retired generals and admiral, space officials, scientists, engineers, very high-level people in France, a 90-page study that was a very historic and important document. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis intéressée à tout ça, c'est à cause d'un document qui a été publié ici en France, le document Cometa, qui a été écrit par des généraux à la retraite, des officiels, des gens de très très haut niveau, qui ont raconté, c'est un document de 90 pages, très important. And I think maybe people who don't think it's serious don't realize that not only are there many high-level officials involved,
But there are also radar documents. These objects are seen on radar. They are seen by many pilots and aviation people, as well as regular people. And there are trace elements, there are impacts on the ground when they land. So we have a lot of data, very concrete information to show that this is a physical phenomenon that still has not been explained. Donc les gens qui ne prennent pas ça au sérieux ou qui considèrent que ce n'est pas un sujet sérieux, sans doute ne sont pas au courant que ça repose sur des témoignages d'officiels, de pilotes, de gens de très très haut niveau, mais aussi, il y a aussi des radars, il y a aussi des tas d'appareils comme ça qui ont des données et qui ont enregistré beaucoup de choses, ainsi que des traces physiques au sol. Donc ça repose vraiment sur des données physiques très sérieuses. And we also have to take it seriously because of possible aviation safety issues with these objects when they come close to aircraft. That everybody, we need to be more informed so that we can avoid accidents or collisions or maneuvers that pilots make in order to avoid interacting with them. So there is a safety element as well. Donc il y a aussi un élément de sécurité, la raison pour laquelle nous devons vraiment prendre ça au sérieux, c'est la question de sécurité de l'aviation, des avions, parce que ces objets s'approchent vraiment, vraiment, et ça pourrait poser des problèmes à cause des manœuvres que pourraient faire certains pilotes, soit pour les éviter, soit parce que ces UFO ou OVNI ou phénomènes aéronautiques non identifiés s'approchent vraiment de très près. And just the final point about why we know that this is a real phenomenon that must be taken seriously is that governments throughout the world have released thousands of documents, official documents, which describe the behaviors and show us that governments are interested in the phenomenon and have taken them seriously for many, many years. There are also agencies in the world now, official agencies studying UFOs, such as the one here in France. Et une autre raison pour laquelle nous devons prendre tout ça au sérieux, c'est que il y a beaucoup de gouvernements qui prennent ça au sérieux, qui ont enregistré beaucoup, beaucoup de documents de recherche. Il y a aussi des agences qui travaillent sur le sujet. Donc les gouvernements prennent ça très au sérieux depuis assez longtemps. Alors il y a un paradoxe énorme entre la façon dont le phénomène est perçu en général, notamment par les médias, en Occident en l'occurrence, et la réalité de ce phénomène. Mais avant d'entrer sur cette question qui est plus une question sociologique, Jean-François, comment est-ce que vous êtes amené à vous interroger sur le côté sérieux de ce phénomène-là? Vous deviez être comme tout le monde en vous disant « bon, tout ça c'est des fadaises, des gens qui ont confondu ». Personnellement, je n'ai jamais vécu d'expérience de rencontre ou d'observation d'OVNI. Donc je ne peux pas dire que je crois ou je ne crois pas. Pour moi, ce n'est pas une histoire de croyance. Ceux qui en ont vu peuvent dire « maintenant, je sais ». Que ça existe, mais dans le milieu des astronautes, il y a beaucoup d'astronautes qui viennent du milieu aérien, qui sont d'ex-pilotes, et certains ont pu voir des choses dans leur carrière précédente. Je ne connais pas personnellement d'astronautes, ni ceux qui ont volé avec moi dans l'espace, qui ont vécu une expérience d'observation d'OVNI ou de phénomènes aérospatiaux non identifiés, puisque maintenant on englobe non seulement les objets, mais les phénomènes visuels, qui ne sont pas forcément un objet physique. Mais je connais suffisamment personnellement de pilotes très sains d'esprit et qui ont une longue carrière, qui ont vécu quelque chose qui les a vraiment troublés, ils n'ont aucune explication, pour facilement être convaincus, et beaucoup de mes collègues, qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène avéré, et personne n'est capable de donner une explication. Oui, parce que là, vous parlez de... On va y venir en détail, je suppose, mais vous parlez de phénomènes comme ça qui ne reçoivent pas d'explication, qui peuvent choquer les témoins. Mais voilà, on peut se dire assez facilement, bon, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on va comprendre plus tard, un phénomène aérospatial mal connu ou météorologique. Alors parfois, oui, j'ai travaillé au CNES. Au CNES, il y a un service, on va peut-être en parler, du GEPAN. Donc, il y a beaucoup de collectes de données, de comptes rendus de personnes qui ont fait des observations, qui rencontrent à la gendarmerie. Et on sait les expliquer pour la grande majorité. Parfois tout de suite, parfois après des analyses un peu plus poussées. Mais il reste quelques cas qui sont inexpliqués. Alors on en parle entre nous dans l'espace. Je me souviens, mon premier vol spatial, on survole le côté de la Terre qui est à l'ombre, à l'opposé du Soleil. C'est rapide puisqu'on fait le tour de la Terre en 1h30, donc chaque nuit dure 45 minutes. Et on survole l'Europe. Et puis on voit une grosse lumière blanche apparaître, devenir très importante, puis disparaître. Et
à très grande vitesse. Instantanément, on se regarde, OVNI, qu'est-ce que c'est, UFO? Puis d'un seul coup, on réalise que c'est une étoile filante qu'on regarde sur fond de terre, puisqu'on est au-dessus. On est tellement habitué à voir les étoiles filantes sur fond du ciel qu'on ne pense pas que c'est une étoile filante la première fois qu'on voit un phénomène lumineux comme ça, brillant, qui nous surprend. On voit les lumières des villes, on voit les éclairs. Et d'un seul coup, il y a cette lumière brillante qui passe, et puis bon, c'est une étoile filante. Mais ça nous fait en parler entre nous. On se dit parfois en plaisantant, ce serait cool si on en rencontrait là où on est. Parce qu'on se sent nous-mêmes un peu extraterrestre quand on est dans l'espace. Notre corps se comporte différemment, on voit différemment, le ciel est noir en plein jour, on flotte, on a l'impression de ne pas vivre comme un terrien normal. Mais nous sommes quand même des humains. Hein, donc, Mais dans les générations actuelles d'astronautes, c'est assez surprenant. Mais dans l'entraînement, il n'y a pas de session dédiée à nous préparer à de telles rencontres ou de telles observations. Nous sommes tous issus souvent du milieu des essais en vol, pilotes d'essai, ingénieurs navigants d'essai, et nous sommes formatés pour rendre compte de ce que l'on fait, de ce que l'on voit. Et si un jour on voit quelque chose qu'on ne comprend pas, eh bien on le rend compte à la radio. Mais c'est assez curieux. Moi je m'attendais, alors c'est pas parce que je suis français et m'entraînant à la NASA, j'ai pas été mis à part des Américains, j'ai suivi exactement tous les mêmes entraînements que les astronautes américains. Et il n'y a pas d'entraînement pour nous préparer à savoir observer, et puis prendre certaines mesures, peut-être d'évitement, ou prendre des photographies, des vidéos. Donc ce sera un peu dépendant de chaque équipage si ça arrive. Ça c'est aussi dû peut-être à une sorte de méfiance instinctive dont peuvent faire preuve les différentes autorités qui sont confrontées à ce phénomène-là. Ça m'amène à vous poser la question, général. Comment est-ce que vous avez entendu pour la première fois parler de ce phénomène? Est-ce que vous vous souvenez, vous étiez en poste, en charge de la sécurité de votre pays, à ce moment-là. Comment est-ce qu'on accueille la vague belge? En effet, j'étais chef d'opération en 89, quand une vague s'est produite en Belgique. Et quand j'ai dit une vague, il y a une soirée, le 29 novembre 89, qu'on a observé dans la région de Eupen 140 observations. Donc 140 personnes ont rapporté une observation assez unique, assez spéciale. Donc, il parlait d'un engin de physique qui aussi était actif dans le domaine de projection de phare. Donc, vous pouvez illuminer le sol, etc. Quand j'ai entendu ça, ma première réaction a été ce sont des hologrammes ou c'est quelque part un baron noir qui se promène et tout ça. Et je n'y croyais pas vraiment que c'était quelque chose de spécial, puisqu'on l'entend par une voix indirecte. Jusqu'au moment que j'ai été appelé assister à une conférence de presse d'un groupe qui s'occupait des recherches dans ce domaine, et j'ai été confronté avec des témoins très crédibles, des policiers, dont des gendarmes à l'époque, et aussi un des témoins était un prévisionniste météo de la force aérienne. Donc quelqu'un qui travaillait pour nous. Et à ce moment-là, je me suis réalisé que c'était vraiment des engins qui étaient en l'air. Alors j'ai quand même, je suis venu à la conclusion qu'il fallait faire quelque chose, parce que quand l'espace aérien d'un pays est utilisé par quelqu'un qui fait des manœuvres en vol de nuit et tout ça, il doit avoir l'autorisation. Alors, on est allé demander aux autorités civiles, les autorités d'aviation civile, et eux, ils n'ont jamais eu un plan de vol ou quoi que ce soit. Ils n'ont jamais été contactés pour admettre des vols pareils dans notre espace aérien. Alors, la conclusion était tout de suite, il y a eu une intrusion. Bon, donc notre espace aérien est utilisé par des engins qui n'ont pas l'autorisation d'être là, et qui ont des comportements assez spéciaux. En quelques mots, vous pouvez nous dire ce que décrivaient les témoins? Surtout les gendarmes ont décrit un engin en forme triangulaire qui restait ou pouvait rester immobile
avec des phares très intenses, donc des phares d'un diamètre de 3 à 5 mètres, donc énormes, qui pouvaient illuminer le sol d'une intensité qu'on pouvait lire le journal. Donc c'était la description des gendarmes au début. Ça pouvait flotter à une vitesse très lente, sans bruit, sans faire du bruit, et à un certain moment accélérer à des vitesses très très élevées. À ce moment-là, moi j'ai été chez mes chefs, le chef d'état-major de la force aérienne, j'ai dit il faut faire quelque chose puisqu'il y a des intrusions, et ça peut être n'importe qui, je ne sais pas qui, mais il faut essayer d'identifier ces objets. Alors il a dit oui, allez-y, vous pouvez prendre des mesures. Vous, votre intime conviction, c'est quoi? Parce qu'on a parlé de tout. En Belgique, on a dit appareil secret américain, on a parlé de dirigeables. Moi, j'ai pris comme position qu'il faut être sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour le prendre comme élément. Puisque Leslie fait l'effort et vous faites l'effort de rassembler tous les éléments solides. Et moi, je m'écarte toujours quand il y a des doutes. Pourquoi ? Il y a suffisamment d'éléments solides pour prouver qu'il y a vraiment des activités aériennes, qu'il y a eu des activités aériennes dans l'espace belge. Et je m'écarte un peu de ce qui a été enregistré par les F-16, puisque je ne suis pas à 100% sûr. Mais quand je me base sur les témoignages, pour les rapports des gens crédibles, il y en a. Enfin, il y en a 500 en Belgique, mais j'ai quand même parlé avec pas mal de gens de niveau. Je dois dire et je dois conclure que vraiment, il y a des activités anormales dans l'espace aérien belge. C'est énorme d'entendre des choses comme ça. Enfin, moi, ça me fait des frissons à chaque fois. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de suite comment est-ce que vous expliquez que ben voilà, ça retombe plouf plouf comme un ballon qu'on dégonfle? Je dois dire que j'avais la main pleine avec mon travail normal. Si en plus on a des problèmes pareils, sans équipe spéciale, puisque c'était une des réactions, j'ai demandé une équipe spéciale pour analyser certains cas. Et on m'a refusé, on a dit il faut le faire vous-même. Et j'avais un officier qui pouvait s'en occuper un peu, mais ce n'est pas suffisant puisque c'est un dossier extrêmement complexe. Quand on voit le nombre d'observations, je viens de dire il y en a au moins 500 qui sont inexpliqués. Eh bien, quand on faut commencer à analyser cela, c'est du travail. Hein, et on n'avait pas la structure pour faire ça. Donc, officiellement, on ne pouvait rien faire. Mais ce que je pouvais faire, c'est d'essayer d'identifier les intrusions et les objets et les intentions de ces objets, d'où ils venaient et tout ça. Et j'ai été très honnête, j'ai toujours dit qu'on n'avait pas de réponse à ce problème. Je crois qu'il y a d'autres nations qui sont moins honnêtes, qui viennent avec des excuses. Oui, mais c'était ça, alors ils se débarrassent du problème. Ce n'était pas notre approche. Notre approche, c'était la transparence. Et j'ai été confronté plusieurs fois avec les médias, avec ça. Et c'est très frustrant, je peux vous le dire, c'est très frustrant quand il faut chaque fois revenir et répondre à la question « Nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement ». C'est extrêmement frustrant, puisque nous sommes en charge de la défense aérienne. Nous sommes en charge de la sécurité de notre espace aérien. Et nous n'avons pas su réagir à des intrusions qui étaient quand même plus ou moins prouvées, eh bien c'est frustrant, croyez-moi. Jean-François, comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce de légèreté avec laquelle les autorités françaises et autres prennent ce phénomène? Alors en France, on est malgré tout à part. Il y a au sein du Centre national d'études spatiales une cellule qui est spécialisée dans la collecte et l'analyse de témoignages, mais c'est quand même pas beaucoup par rapport à, voilà, comme disait le général, c'est peu d'éléments et peu de moyens sur une question colossale. Ben, je crois que c'est la nature humaine d'avoir peur de l'inconnu, et quand on vous pose la question et que la seule réponse que vous pouvez donner c'est « je ne sais pas », on n'a pas envie d'accepter la question. Et je me mets à la place de toutes les personnes qui ont vécu des expériences
de contact visuel ou auditif ou même physique avec des ovnis. Et je comprends qu'ils aient du mal à en parler eux-mêmes parce qu'on est dans une civilisation où la question est très délicate et on peut rapidement passer pour un fou ou pour un farfelu. Donc, mais je voudrais en profiter pour faire bien la distinction. On nous pose souvent la question aux astronautes, mot à mot, est-ce que vous croyez aux ovnis ? Ce n'est pas une question religieuse, ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. Je sais ou je ne sais pas, selon que j'ai eu l'expérience ou pas. Et donc, moi je réponds, c'est une préférence. Ou est-ce que vous aimez ou pas l'idée qu'on est seul dans l'univers ? Moi, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul. Ça me ferait vraiment, je trouverais ça vraiment dommage, comme on dit. Mais il ne faut pas mélanger les deux questions. La vie extraterrestre, de plus en plus de personnes, de scientifiques de haut niveau, pensent qu'elle peut très bien exister ailleurs. Surtout depuis que, grâce au télescope Hubble, puis d'autres télescopes, depuis, on sait qu'il y a des milliards d'étoiles dans l'univers visible. Et l'univers visible, c'est à peine 5% de l'univers réel qui existe selon les mouvements qu'on observe des astres. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul, mais je ne sais pas si je ne peux pas prouver que oui ou non. Maintenant, si la vie extraterrestre existe, est-ce que ce sont ces extraterrestres qui sont aux commandes de ces vaisseaux ? Peut-être, mais c'est peut-être pas ça du tout. Et aujourd'hui, on peut pas, on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas les moyens, on ne met pas les moyens suffisants, et Leslie va en parler, sur le plan humain, sur le plan scientifique, sur le plan financier, pour investiguer beaucoup plus sérieusement la question. Ce qui est sûr, c'est que les ovnis sont un phénomène avéré. Leslie peut en parler après son enquête, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est sûr, comme je le dis dans la préface, si on ne cherche pas, on ne saura jamais. Justement, Leslie, ça m'amène à la première question. En fait, c'est souvent la question qui pose problème quand on s'intéresse au dossier. On s'accorde tous aujourd'hui, enfin tous les gens qui sont un peu penchés sur le phénomène, s'accordent sur la réalité du phénomène OVNI. Il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés dans l'atmosphère. L'hypothèse extraterrestre de ces phénomènes reste une hypothèse parmi d'autres. Et souvent, on fait un peu le mélange, on fait l'amalgame. Qu'est-ce qu'on sait et qu'on ne sait pas aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que l'hypothèse extraterrestre est celle qui est avancée le plus souvent pour expliquer ces phénomènes ? Well, I think you're right. We don't know what they are. We know that there's a phenomenon, and we all agree about that. Oui, je crois que vous avez raison. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons qu'il existe ce phénomène, mais c'est tout ce que nous savons. And of course, we can all come up with many hypotheses for them. The Cometa report, which had a big influence on me, originally stated that they believed, the gentleman who wrote that, believed that the extraterrestrial hypothesis was the most rational, valid, and likely explanation for the few cases that they studied for which they could not explain, the very best cases. Bien sûr, on peut émettre des tas d'hypothèses. Le rapport Cometa, justement, disait que vraisemblablement l'origine extraterrestre semblait être la plus plausible pour les quelques cas qu'ils avaient vraiment étudiés en profondeur. And it's important to realize that 95% of sightings can be explained. So the cases that we're focusing on, and they made this point in the Cometa report, are the cases for which there is enough documentation, a lot of evidence, so that we can eliminate conventional explanations. So it doesn't leave the possibility that they might be something conventional. 95% en fait des choses qui ont été vues, des témoignages rapportés, peuvent être expliquées. Et donc, ce qui reste et qu'on ne peut pas expliquer, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de rapports, de visions, etc. Donc, on est absolument sûr que ces 5% qui restent n'ont aucune explication conventionnelle. And these are the cases that are the really important ones, and these are the ones that are featured in my book. And the Belgian wave certainly fits that characteristic of enough data so that we have to eliminate airplanes, meteors,
weather balloons and all the other possibilities. C'est pour ça que dans mon livre, nous devons d'abord éliminer tout ce qui pourrait être des avions, des météores, tous les ballons météorologiques et tout ça, et notamment dans le cas de la vague belge. Donc tout ça a été éliminé et ceux qui restent sont ceux pour lesquels il n'y a pas d'explication. And over the years, I've talked to so many high-level people from many countries, and there are official agencies now in more countries. And it just seems that the leading belief, the leading hypothesis that people hold, some privately and some publicly, is that the extraterrestrial hypothesis seems to be the one that most people think is the most likely explanation. But they're always very clear that it's only an hypothesis. We really don't know. Et donc moi j'ai parlé avec beaucoup de gens dans beaucoup de pays, beaucoup de spécialistes qui ont étudié ça très, très, très en profondeur. Et il semble que ce soit en privé ou que ce soit en public, l'hypothèse extraterrestre semble être celle que la plupart d'entre eux retiennent parmi tous ces pays, toutes ces agences qui travaillent là-dessus. I agree with Jean-François. He said that people are afraid of the unknown. He also said that we don't have enough resources for the scientists to get involved and study this because of the resistance among governments and among the ridicule that we face. Je suis d'accord avec Jean-François. C'est vrai que nous avons peur de l'inconnu. Et c'est vrai également que nous n'avons pas les ressources parce que les gouvernements ne donnent pas les moyens et ils ont peur. Et parce que dans l'ensemble, on a peur du ridicule, d'être confronté au ridicule. But I think this is a scientific problem primarily, and I would like to see a unified effort around the world where scientists become proactive and decide that they want to solve the mystery of UFOs. And if they decide they want to do it, then they can gain the resources to make that happen, and they can figure out a way to make it happen. Mais moi, je pense que c'est une question scientifique et j'aimerais vraiment voir les scientifiques autour du monde se rassembler, décider de travailler ensemble. Et de cette façon-là, ils pourraient obtenir les ressources et tous les moyens dont ils auraient besoin pour travailler de façon unifiée, de façon unie. So I'm working on trying to get the US government to establish some kind of a small official agency similar to JPOM, but even smaller perhaps, so that that door can be open to the scientific world to become involved. Until the United States government changes its attitude, I don't think it's possible for science to become galvanized enough to solve the problem. Et donc moi je suis en train d'essayer de travailler avec le gouvernement américain pour qu'il crée une agence spécifique comme le JPOM, mais peut-être même encore plus petite que le JPOM, mais ça permettrait justement de rassembler toutes les données et de stimuler la recherche scientifique. And it really isn't a matter of what we believe. It's a matter of knowing there is data to prove there is a phenomenon. What we believe it is really doesn't matter. We have to find out for sure and solve the problem of what it is. Because if it is extraterrestrial, we all know how important this is for all of us to be able to have the knowledge of that fact, if indeed it is a fact. Et la question n'est pas du tout de savoir si on croit ou on ne croit pas. Nous devons savoir, nous devons absolument savoir. Tout le monde a besoin de savoir et de savoir notamment si c'est d'origine extraterrestre, parce que c'est vraiment important comme fait pour nous. Alors, vous parliez tous les trois de l'importance de l'écoute des témoignages. J'aimerais qu'on parle d'un cas, Leslie, qui est le cas de Phoenix, en Arizona. Bon, moi, avec le boulot que je fais, j'ai les poils qui se hérissent tous les 15 jours. Mais là, je peux vous dire qu'à Phoenix, en rencontrant les témoins, en rencontrant les gens qui ont assisté à cette observation qui s'est produite en mars 1997, j'ai atteint un nouveau niveau de hérissage de poils. Parce que face à un témoin, vous êtes toujours assez impressionné. Enfin, moi, en tout cas, je le suis. Vous l'aviez dit une fois, Jean-François, quand on est face à ces gens-là, on ne peut que admettre que si on avait été à leur place, on aurait vu la même chose qu'eux. Mais à Phoenix, il y a quelque chose en plus, et j'aimerais qu'on vienne un petit peu là-dessus, Leslie, c'est que l'objet qui a été observé l'a été par des centaines de personnes et mesurait, selon les estimations, entre 900 et 800 mètres de large.
et ressemblait d'ailleurs à peut-être plus petite taille aux objets qui ont survolé la Belgique quelques années auparavant, triangulaires avec des grands, grands spots lumineux. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui s'est passé à Phoenix en mars 97? Yeah, as you said, there was a period of time in an evening, in the evening of, I think it was March 13th, 1997, where a lot of people were outside because there was a comet coming over that night, so people were outside looking to see the comet. Oui, alors d'ailleurs, je crois que c'était le 13 mars 97, et il y avait beaucoup de gens dehors parce qu'il y avait une comète qui passait, et donc les gens étaient sortis pour observer la comète. And beginning about approximately 8 p.m., reports started coming in, more in the northern part of the state, from people witnessing this very large delta-shaped, kind of V-shaped object with lights along the perimeter, moving very silently down through different locations. Et puis les rapports ont commencé à arriver ce soir-là, à partir de 8 heures du soir, des gens qui décrivaient au nord de l'État un objet comme ça, triangulaire, avec des lumières toutes à son périmètre, et qui avançait très lentement et totalement silencieusement. And it moved down throughout the state over a period of about an hour and a half, and it turns out there was more than one, maybe two or three, sort of similar to the first night of the Belgian wave. They were able to map the actual trajectory because there were so many reports. Et alors cet objet est descendu le long de tout l'État, et en fait on s'est aperçu qu'il y en avait deux ou trois vraisemblablement, et très très similaires à ceux qui avaient été rapportés et vus en Belgique. Ils ont été capables même de suivre, à partir de tous ces témoignages, la trajectoire suivie par ces objets. And calls were coming into police stations all over the state, military bases, hundreds and hundreds of people saw this. Les appels arrivaient à la police, ça venait de la base militaire, enfin des centaines et des centaines de personnes ont été témoins de ça et ont pu suivre ça et voir ça. They described the object as being massive, extremely large. That was one of the major descriptions that people had. And they were very clear that it was a solid object because they could see that it would block out, they'd see the lights, but it blocked out the stars in between the lights. Donc tout le monde décrivait, cet objet était décrit comme étant vraiment très très grand. Ça, c'était vraiment unanime. Tout le monde disait que c'était très très grand et que c'était un objet solide. Parce que on voyait les lumières de son périmètre, mais à l'intérieur, ça, on ne voyait pas la lumière des étoiles. Donc, on savait que c'était un objet vraiment solide. And it was also silent, and people were astonished by how something this large could be silent, and it was quite low. Some people said they felt they could throw a rock at it and it would hit the bottom. Et il était silencieux aussi, et pour les gens, certaines personnes étaient étonnées de à quel point c'était silencieux pour quelque chose d'aussi grand, d'aussi énorme. Et tout le monde a décrit que c'était quelque chose qui était très très bas. Certaines personnes ont dit qu'ils auraient pu lui lancer des pierres. And also similar to the Belgium objects, it would sometimes hover and then just zip off really fast at the blink of an eye. Et puis de la même façon que dans la vague belge, il y avait des moments où l'objet restait stationnaire et puis en un clin d'œil, il pouvait partir très très rapidement. A few months after the incident, it kind of broke out into the media and there was coverage all over the United States on the major national news programs. Quelques mois après cet incident, c'est sorti dans la presse et il y a eu dans les principaux programmes d'information, c'est sorti un peu partout. And the governor of Arizona, Fife Symington, was worried because he felt there was hysteria growing in the state because people were afraid and they wanted answers. So he held a press conference about it. Et donc le gouverneur d'Arizona, il avait peur que les gens paniquent parce que les gens commençaient à avoir peur, comme ils en ont entendu parler beaucoup. Donc il a donné une conférence de presse pour en parler. And he told the people that he was going to provide the answers to this mystery at the press conference. But what he did was he made a joke. He dressed up his chief of staff in an alien costume and made a joke out of the whole thing. Et en fait, il a tourné tout ça en dérision, il en a fait une blague, il s'est habillé comme un alien et il a transformé ça en une grosse blague. The 10th anniversary of the event, Governor Symington admitted that he too had been a witness to the event 2 months before he gave that press conference. Et donc 10 ans plus tard, en fait, le gouverneur a admis que, en fait, lui aussi avait été témoin de ces objets
et qu'il les avait vus 2 mois avant de donner sa conférence de presse. He had driven out by himself to a park when he got word of the event and got a very close look of this thing gliding over. I went with him to the park. He described exactly what happened. And he just felt that as governor, if he talked about it, there would have been such an upheaval that he felt his government wouldn't have been able to do its job, and he was afraid of ridicule, so he didn't talk about it. En fait, quand il a entendu dire autour de lui qu'il y avait ces objets dans le ciel, il a pris sa voiture, il a couru jusqu'à un parc, et il a été vraiment devant de très près. Et simplement, il considérait qu'en tant que gouverneur, il ne savait surtout pas qu'il raconte ce qu'il avait vu, il avait peur d'être tourné en ridicule, mais il avait peur aussi que la panique s'empare de la population. So since he's decided to go public about this and he's apologized to his constituents for that press conference, explained why he did what he did, and he wrote about this in the book, he has since become an advocate for government involvement and for the necessity of having the U.S. government have an official office that can handle situations like this. Alors depuis qu'il a reconnu, donc 10 ans après, qu'il a expliqué pourquoi il avait fait le clown à la conférence de presse, pourquoi il avait tourné tout ça en dérision de cette façon-là, et qu'il a reconnu qu'il en avait été témoin, depuis il est devenu vraiment un avocat fervent de l'idée que le gouvernement américain devrait ouvrir une agence spécialisée pour étudier ces phénomènes. If there had been an agency in place, then he wouldn't have had to have pretended he didn't see it. There would have been some way of properly dealing with it, and the whole thing could have been investigated properly. As it stands now, the citizens of Arizona still have had no word from any member of the government about what happened that night. Pour travailler sur ces sujets-là, il y aurait pu y avoir des vraies recherches, investigations et un approfondissement de ce qui s'était passé, alors que encore aujourd'hui, les témoins, tous les gens qui ont été témoins de ce phénomène, n'ont jamais entendu parler du gouvernement. Personne n'est jamais venu leur poser la moindre question. Ou leur donner la moindre explication. Je peux ajouter quelque chose, puisque je connais aussi très bien M. Fife Symington. Il a demandé à la force aérienne, donc il y a une base tout près, donc c'est la base de Luke Air Force Base, près de Phoenix, et il a demandé des explications. Et j'ai dit tout à l'heure que... il y a des forces aériennes qui viennent avec des raisons qui ne sont pas tout à fait correctes. Eh bien, c'était le cas là. Luke est venu avec l'explication qu'il y a vu des avions A-10 qui avaient tiré des fusées pour contrer des missiles. Donc, ça se voit de loin et c'était en altitude. Mais lui-même, Fife Symington, est un pilote dans le National Guard aux États-Unis. Et il dit, bon, moi je connais des fusées, ça brûle pendant 15 secondes au grand maximum, même moins. Et finalement, nous avons vu ces objets pendant des heures. Donc ce n'était certainement pas des fusées. Donc on vient avec des explications qui ne sont pas correctes. Et tout le monde se tait et il n'y a plus personne qui en parle. Et je crois que ce n'est pas très honnête de venir. Et lui-même était très frustré. The other explanation given was, of course, the flares that people probably have heard about. There were flares being dropped that night by the Air Force in an exercise at 10 p.m. that same evening. Flares? Ah, il y avait l'explication, c'est que la force aérienne avait lancé des fusées ce soir-là à 10 heures du soir. And so a lot of skeptics will just say, oh, it was flares. Donc, il y avait beaucoup de sceptiques qui en ont profité pour dire, oh, bah, c'était les fusées lancées par l'air. As Symington has said, flares don't fly in a group against the wind along the sky. Many reasons why we know it wasn't flares, but we do know as a fact that they were dropped at 10 o'clock. However, the objects were seen at 8, so... Donc Symington dit, de toute façon, les fusées ne volent pas ensemble en groupe et en formant un triangle. Et en plus, ces fusées ont été lancées à 10 heures du soir, alors que ces objets ont été vus à partir de 8 heures du soir.
Also, just to say briefly, there was a class action lawsuit filed a few years later by a large group of witnesses in federal court in Arizona with a lawyer, a whole case to try and get the Defense Department in America to do a search. They were asked by the court to do a search for information about these objects and to come back and say what they found. They came back and said they searched throughout the whole Defense Department and found nothing, no files about these huge objects flying over Arizona. Alors, il y a eu ce qu'on appelle une class action en français, on dit une action groupée de beaucoup de gens qui avaient été témoins en Arizona et qui ont demandé à la justice, devant le tribunal, à ce que le ministère de la Défense fasse une recherche et rassemble toutes les données, tous les dossiers, tout ce qui avait pu être récolté sur ce qui s'était passé ce soir-là. Et en fait, la Cour a donné l'ordre de récolter toutes ces informations et en fait, il n'y en avait pas du tout. Le ministère de la Défense n'avait rien, il n'y avait pas le moindre dossier. So the judge had to dismiss the case, and once again, the witnesses received no government response, and some of them felt very unprotected. How can an object, as General DeBrower says, invading airspace, come over populated areas and have the government have no reaction? In Belgium, they did react, but not in America. Et donc, ils n'ont pas eu de réponse du tout. Et les gens qui avaient fait cette démarche, cette poursuite, donc le juge a dû classer l'affaire. Et tous ces gens étaient très frustrés parce qu'ils étaient vraiment témoins et que vraiment la question posée, c'est mais comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait des objets aussi importants, comme le général le racontait, c'est vraiment des objets très très importants, qui envahissent l'espace aérien au-dessus de zones habitées, au-dessus des populations et que le gouvernement ne sait rien et ne fait rien. Le gouvernement américain n'a rien fait. Au moins en Belgique, le gouvernement a fait quelque chose. Vous avez utilisé le terme les sceptiques. Je pense que les personnes, parfois les responsables qui donnent des réponses bidons, ce ne sont pas forcément des sceptiques, mais juste des personnes qui préfèrent donner une réponse bidon que de répondre « je ne sais pas ». Et ça arrive souvent dans la vie de tous les jours. Hein. Ça, c'est clair. On entend beaucoup de... Comment dirais-je une attitude officielle face à ces phénomènes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui puissent être motivés par des comportements un peu effrayés, voire de la malhonnêteté intellectuelle, voire de la bêtise. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin aux États-Unis, parce qu'on a tous entendu parler de gouvernements secrets, des X-Files. Est-ce qu'il y a une volonté, d'après vous, Leslie, de cacher des choses qui seraient quand même déjà connues des autorités? Parce que voilà, c'est la question à fantasme, je la pose. I mean, this is the question that everybody asks, and I take the position of a journalist, which means I have to look for documentation and facts and sources that can tell me reliable information. Donc ça, c'est la question que tout le monde pose. Mais moi, en tant que journaliste, je recherche des informations, des données, des faits. So I don't have that. I don't have an answer for that question because I don't have documentation that there is a secret program because it's so secret that there wouldn't be any. Parce que je n'ai pas ça, hein. Je n'ai pas de réponse à cette question parce que je n'ai pas de documents, de documentation ou de preuves. Ou alors il serait tellement, tellement secret que justement, il n'y a aucune documentation là-dessus. So it's really it's just a matter of speculation. People can have an idea there is or there isn't. I think either one is possible. I also think that it's quite possible that the US government doesn't know anything more about this than the rest of us. And they just don't want to acknowledge that there's something there that they cannot control, protect us from, or even understand. Donc les deux sont possibles. Il est possible qu'il y ait un gouvernement secret ou quelque chose qui soit caché, qui sache et qui soit caché. Mais aussi, il est possible que non, il est tout à fait possible que le gouvernement américain ne sache rien du tout et qu'il ne veuille pas en parler parce qu'ils n'ont aucun contrôle, ils ne peuvent pas protéger le peuple américain contre des phénomènes qui existent et qui sont réels. And since the phenomenon exhibits behaviors and technologies that are well in advance of anything we're capable of, any government would have to realize that if these are indeed
something coming from somewhere else, they are way more advanced and more sophisticated than we are. Therefore, there could be a danger there for us. Et puisqu'il y a ces objets ont des comportements et représentent, enfin, démontrent des technologies qui sont très 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 au-delà de nos capacités. Il y a quelque chose de menaçant parce qu'ils sont bien 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 plus forts que nous. Ils sont bien en avance sur nous. So that's one possible scenario as to why the US government takes the position it does. C'est un des scénarios possibles pour expliquer pourquoi le gouvernement adopte la position qu'il adopte. If there is some kind of secret project, it's very buried because certainly the people in office are not concerned about UFOs. They have way more other what they would consider to be way more important things to deal with in running the government and dealing with the rest of the world than they do with UFOs. Donc s'il y avait une agence ou un gouvernement caché, etc., qui soit au courant de ça ou qui travaille là-dessus, c'est vraiment très 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 bien enterré parce que les gens qui sont aux affaires, ils ont beaucoup d'autres choses à faire, ils ont déjà pas mal de choses à faire pour gérer le pays, le gouvernement. And there's a convenient mechanism in place in America whereby they can dismiss sightings because of the shutdown of Project Blue Book in 1970. The Condon study, which was a group of scientists who they came to the conclusion that they weren't worthy of investigation. So the whole thing has been so buried that it's very easy for officials in America to ignore it if they prefer to do that. En fait, la chose ça a été sans doute tellement bien enterré que ça rend vraiment la chose très facile pour les officiels de nier qu'il y ait quoi que ce soit. Parce que la dernière étude officielle commandée par les autorités américaines, qui s'appelait le projet Blue Book, a été publiée avant le début des années 70. Ces rapports ont été publiés qui concluaient que le sujet OVNI n'était pas digne d'intérêt scientifique et ne demandait aucune enquête ultérieure. Donc c'est la réponse officielle aujourd'hui à chaque demande auprès du gouvernement américain, c'est de dire le projet Blue Book en 1968 nous a dit que ce sujet-là n'était pas sérieux, donc nous ne faisons rien dessus. Obviously, there are certain individuals within the political and military structure in America who are interested in this, for sure. The big question is whether there's any kind of organized, focused program gathering data and researching this, and we just don't know. Et de toute évidence, il y a des gens, des individus dans le gouvernement, etc., qui s'intéressent énormément à cette question. Maintenant, le problème, c'est de savoir s'il y aurait une organisation qui prendrait en charge vraiment cette recherche et l'étude de toutes ces données. Et pour l'instant, la réponse est non. But regardless of whether there is or isn't, I feel it's very important to keep pursuing the official agency that I'm trying to help set up in America, which needs to happen regardless of what the government knows or doesn't know. Et indépendamment de ce que le gouvernement sait ou ne sait pas, moi, je continue à poursuivre cet objectif, c'est de dire, et je voudrais arriver à ce que le gouvernement fasse des recherches et poursuive les recherches et l'étude des faits et des données que nous avons déjà maintenant. And I'm very happy that France has one of the best official agencies in the world. I think the other ones are in South America. The agency in Chile is outstanding also, but you all can be proud that your government takes this seriously enough to have an official agency looking into it. Et je suis vraiment très heureuse que la France ait une des meilleures agences qui examine ces questions et qui fasse des recherches et qui étudie tout ça, une des meilleures du monde. Il y a l'Amérique du Sud aussi qui est très avancée là-dedans, notamment l'agence du Chili qui fait un travail absolument remarquable. Le service en France, en fait, a été créé en 1977 à l'initiative de Claude Power et du directeur actuel, enfin à l'époque du Centre national d'études spatiales, qui s'appelait Yves Sillard, qui est d'ailleurs écrit dans ce livre, a été interrogé par Leslie. Le service existe donc depuis 1977, a publié un certain nombre de rapports, a changé de nom à plusieurs reprises, continue à travailler, parfois peut-être avec peu de moyens, compte tenu de l'ampleur du phénomène. Mais effectivement, comme le souligne Leslie, ce service existe et permet la centralisation de tous les rapports de témoignages qui peuvent être collectés par la gendarmerie de l'air, l'aviation civile et les différents témoins. Donc voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais effectivement, ça existe, c'est déjà ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, et je pense que ça a dû aussi vous impressionner, en général, quand vous avez rencontré une partie des différents intervenants de ce livre, qui ont tous eu des postes à très haute responsabilité dans les forces aériennes, dans les forces armées, et qui ont été parfois eux-mêmes directement confrontés à ces phénomènes.
Est-ce que vous vous êtes senti moins seul en rencontrant ces gens originaires du même univers que vous, donc sachant que c'était des gens plutôt sérieux? Oui, les gens qui ont écrit dans ce bouquin sont des gens très sérieux. Enfin, ça c'est certain. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux et ce sont tous des gens très solides. Il y a des gens qui ont une expérience depuis 20 ans et plus. Et ils y croient toujours que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu est réel. Entre autres, le pilote péruvien qui a intercepté un engin au-dessus de la base, là, eh bien, il est commandant de bord d'un Boeing 767, je crois. Et il a expliqué ça. Il y a 1000 témoins qui ont vu une interception d'un avion de la force aérienne péruvienne, d'un engin qui était stable au-dessus de la base. Et il a tiré dessus et sans dégâts, il n'a rien touché et l'engin a commencé à manœuvrer d'une façon qui était supérieure, donc la façon de manœuvrabilité, donc la capacité était supérieure à son avion, et il s'est mis à côté de lui, derrière lui et tout ça. Il a eu peur à un certain moment, le pilote. Eh bien, ce pilote était là pour raconter son histoire. Il y a eu 1000 témoins, et finalement, en Pérou, maintenant, on prend ça au sérieux. Donc, il y a eu une réaction là-dessus. Pas au niveau de Chili, puisque la Chili s'est tout à fait officialisé, mais on prend ça au sérieux. Et il y en a d'autres là que j'ai rencontrés à Washington, et ce sont tous des gens de niveau qui sont très très crédibles. Donc pourquoi pas les croire? Pourquoi pas suivre, poursuivre une action pour quand même investiguer tout ça et en faire une enquête officielle qui serait supportée par le gouvernement, ou bien, moi j'ai toujours dit, il faut lancer des universités là-dedans, puisque c'est un projet qui parle du futur quand même, hein. Donc c'est quelque chose qui devrait nous éveiller, qu'il y a peut-être une autre technologie à notre disposition, ou à la disposition de je ne sais pas qui est supérieure à la nôtre. Ça devrait quand même intéresser des savants, des chercheurs. Eh bien, pourquoi pas les universités? Mais jusqu'à présent, il n'y a personne qui bouge à cause de la peur du ridicule. C'est ça qui compte pour le moment, c'est la peur du ridicule. Pour les agences officielles, je dois dire, pour ce que j'ai été dedans, c'est la peur de ne pas pouvoir donner une réponse. Donc c'est plus facile de s'écarter du problème que de dire qu'ok, je vais essayer de trouver la réponse en sachant qu'il n'y aura pas de possibilité de réponse. Donc on voit maintenant la réaction des forces aériennes ou des instances qui sont en charge de la sécurité aérienne qui disent on n'en parle pas, c'est mieux de ne pas en parler que de dire ouvertement nous ne sommes pas capables à donner la réponse. Oui, c'est ça qui est impressionnant, et de ne pas donner la réponse devant un phénomène qui a un certain nombre de caractéristiques aussi qui sont, je l'ai souvent entendu dire, impossibles. Jean-François, vous êtes parti dans l'espace, vous avez fait la centrifugeuse là, qui fait vomir. Oui, on est monté à 8G, 10G, on a l'impression d'avoir une armoire de 200 kg sur le corps. Là. Et si vous avez la malchance de vider vos poumons, vous ne pouvez plus les regonfler, ils sont trop lourds. C'est pour ça qu'il faut respirer autour d'un volume moyen des poumons plutôt gonflé. Je posais cette question parce que justement, vous avez expérimenté quelques conditions extrêmes qui sont nécessaires pour le vol spatial. Mais ce que décrivent les témoins, c'est à des années-lumière de ce que vous avez vu expérimenter en navette. Effectivement, les phénomènes ovnis avérés incompréhensibles et qui ont bien été observés par radar et des personnes au sol, c'est-à-dire il y a suffisamment de concordance pour dire que ça a vraiment eu lieu. Les vitesses, les rayons de virage, donc les accélérations, ce qu'on appelle les nombres de G que nous aurions à subir, nous humains, si on était dans ce type de trajectoire, seraient totalement incompatibles avec notre physiologie. C'est-à-dire qu'il se passerait quoi? Au-delà de... Si vous n'avez pas de combinaison anti-G, au-delà de 5 à 8 G,
vous avez le voie noire, vous ne voyez plus. Si vous n'êtes pas habitué, vous tombez dans les pommes. Et puis, au-delà de 20G, c'est la mort, parce que tous les organes éclatent, etc. L'homme peut supporter quelques G en moyenne. Un insecte qui a un squelette extérieur peut supporter jusqu'à 200G, un insecte. Vous prenez une coccinelle. Non, je ne veux pas prendre coccinelle, c'est trop gentil. Non. Vous prenez un scarabée, un beetle. Vous le lâchez de 1 mètre de haut. Le nombre de G subis à l'impact sur le plancher est de 100 à 200 G. C'est totalement mortel de très loin pour l'être humain. Mais l'insecte, il n'a rien. Il a un système qui supporte ça. Enfin, je ne veux pas dire que les extraterrestres sont des scarabées. Mais... Ah, c'est une théorie. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les mammifères ne sont pas capables de supporter, les mammifères dont l'humain ne sont pas capables de supporter des accélérations telles que subissent les objets qui suivent ces trajectoires absolument hallucinantes observées par des personnes qui ont eu la chance. Je disais la chance parce que moi j'aimerais bien voir un ovni, qui ont eu la chance d'être là à cet instant-là. Le gros problème, c'est que ces phénomènes ne sont pas reproductibles. On a parlé de la peur du ridicule, et vous ne pouvez pas reproduire un phénomène ovni. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à l'étudier. Il faut se trouver là, au moment où il y en aura un, avec les instruments de mesure de toutes sortes, pour pouvoir prendre les photos. Alors, j'espère qu'à notre époque, où nous avons tous un téléphone portable dans notre poche, avec des capacités de vidéo de très haute résolution, qu'on pourra faire des recoupements meilleurs dans le futur qu'il y a 20 ans, ou il y a 15 ans. Donc, faut voir. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on n'en ait pas peur. Parce qu'il y a des gens, ils voient un ovni, ils rentrent chez eux, ils ont peur. C'est naturel. D'autres se refusent de croire, enfin, se refusent d'accepter ce qu'ils ont vu. D'autres n'en parlent pas. Quelques-uns oseront en parler en allant à la gendarmerie et décrire le plus honnêtement possible ce qu'ils ont vu. Voilà, donc il faut qu'on ait tous envie de voir le phénomène et de le comprendre. Mais c'est seulement des moyens, des ressources à grande échelle qui permettront statistiquement de tomber parfois sur des ovnis et d'accumuler des données. Dans le domaine spatial, ça arrive. Par exemple, on a observé juste par hasard, il y a une quinzaine d'années, les sprites ou les farfadets. C'est des phénomènes lumineux qui durent une fraction de seconde, une ou deux secondes maximum, qui sont comme des éclairs, mais qui partent des orages vers le haut. C'est opposé aux éclairs. Et ça n'arrive pas avec tous les éclairs, mais il y a un éclair sur 100 qui est accompagné, en même temps qu'il se produit en dessous du nuage, par un phénomène lumineux de jusqu'à 100 km de longueur vers le haut. Mais il faut des caméras qui filment à plusieurs milliers d'images par seconde pour les voir. Et il y a toute une série d'expériences, d'instrumentation qui sont en conception actuellement, pour être embarqué à bord de la Station Spatiale Internationale et d'autres satellites, pour les observer, parce qu'on ne comprend pas, on pense que c'est une interaction entre le vent solaire et l'espace et la haute atmosphère, mais la physique est encore mal comprise et il y a beaucoup de recherches qui vont être faites. Mais on ne sait pas les reproduire, mais on sait que si on met suffisamment de satellites et d'instruments qui les observent, statistiquement, on finira par en voir. Voilà. Mais les ovnis, on ne peut pas dire demain, on va en voir un à telle heure, à tel endroit. Donc, il faudrait qu'on soit tous plus courageux, tous avec la même feuille de route et la même envie d'observer, d'analyser. Mais ça, c'est les scientifiques qui ont cet esprit-là. Les scientifiques qui veulent comprendre. Il y a effectivement un vrai challenge à aborder ce phénomène-là de façon scientifique pour pouvoir en tirer des informations, des enseignements. Mais il y a aussi ce que vous avez mentionné tous les trois, c'est-à-dire l'impact avec des témoins, avec des gens que vous connaissez, qui ont observé quelque chose, ou des gens dont vous connaissez les amis, dont vous connaissez la crédibilité, oui. Donc vous avez, j'en suis convaincu tous les trois, une conviction intime, qui n'est pas une preuve scientifique, mais qui est un ressenti de votre expérience. Général, qu'est-ce que vous pensez qui a survolé la Belgique quand vous étiez le patron de l'air? Votre conviction personnelle, intime. Je suis très prudent.
Mais en effet, ce sont des phénomènes qui sont inexplicables, hein, qui ne sont pas encore expliqués, mais à mon avis inexplicables, avec notre connaissance et notre technologie actuelle. On pourrait avancer l'hypothèse extraterrestre. Je crois que ça a déjà été dit, qu'en effet, il y a certainement de la vie extraterrestre. Ça, je crois que c'est une certitude. Mais la question est, comment nous visiter ici et parcourir de telles distances avec notre connaissance actuelle, notre connaissance des sciences, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui en science? C'est ça qu'il faut se poser, cette question qu'il faut se poser. On découvre encore, tous les jours pratiquement, depuis quelques années, que notre univers est beaucoup plus grand que prévu, parce qu'on le pensait il y a 10 ans, et vous allez certainement le confirmer. Donc on découvre de plus en plus, et je crois qu'il faut quand même être modeste et dire que nous ne sommes pas à la fin de la recherche scientifique. Donc il faut absolument essayer de trouver de ce qui se passe, de quoi il s'agit. Personnellement, je suis convaincu qu'il y a quelque chose, mais en tirer la conclusion, ça doit être extraterrestre, je ne suis pas qualifié pour faire ça. Je suis un aviateur, je sais ce que c'est, voler, des engins qui volent, quelles sont les performances, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout ça. Et je sais que la description ne convient pas avec notre technologie actuelle. Et je parle maintenant des observations qui ont été faites en Belgique il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, c'était déjà une technologie inexistante, encore aujourd'hui. Et je dois dire que pour moi, l'option extraterrestre est ouverte. C'est une option, mais c'est ouverte. Mais je ne me sens pas qualifié pour dire définitivement c'est extraterrestre. Et vous, Jean-François ? J'aime l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers. Je ne suis pas sûr, on est peut-être seul. D'ailleurs, quand on va dans l'espace la première fois, vous regardez par le hublot, il y a la Terre, la Lune, le Soleil et rien d'autre. C'est le noir d'encre total. Et si vous ne pensez pas éteindre toutes les lumières dans le cockpit, quand on est dans la phase à l'ombre de l'orbite, en éteignant toutes les lumières, tous les écrans d'ordinateur, vraiment tout, comme si vous étiez dans votre cave souterraine, toute lumière éteinte, le noir, noir, sans la Terre et le Soleil dans le champ de vue, eh bien, le ciel devient blanc d'étoiles qui ne scintillent pas. Et là, vous vous dites, bon, c'est pas possible, on n'est pas seul dans l'univers. Alors que quand vous voyez le ciel noir et qu'il y a l'impression qu'il n'y a que la Terre et rien d'autre, enfin la Lune et le Soleil, c'est très facile de penser qu'on est tout seul dans l'univers. Moi, j'aime bien l'idée, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas une histoire de croyance. Je pense que personne ne peut dire je crois ou je ne crois pas. Ce n'est pas une croyance, c'est votre préférence. Moi, je préfère l'idée qu'on n'est pas seul. Et si ceux qui existent ailleurs ont les moyens intellectuels, technologiques, à travers des irrégularités de l'espace-temps, je ne sais pas, ont la possibilité de nous rendre visite par des moyens que nous sommes incapables d'avoir de très loin, avec notre connaissance scientifique, les meilleures connaissances scientifiques sur Terre, eh bien, j'ose imaginer qu'ils seraient plutôt comme nous le sommes pour eux, si, quand on va visiter d'autres planètes, c'est-à-dire intéressés à nous observer, mais pas à nous perturber, pas à nous faire du mal, pas à nous attaquer. Mais bon, je n'ai pas de croyance. J'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul, et puis ça ne m'aurait pas déplu dans l'espace que je les rencontre, mais ce n'est pas arrivé. Ça va peut-être venir. Leslie, j'aimerais qu'on vienne sur un mot qui est souvent présent dans le livre et qui caractérise certains comportements des objets, enfin des phénomènes observés. Parce que là, on parle de phénomènes, on parle d'inconnus, on parle d'un certain nombre de caractéristiques qui pourraient laisser penser qu'on est devant quelque chose finalement de pas connu aujourd'hui, mais qui sera connu plus tard, un phénomène naturel bizarre ou quelque chose. Mais il y a une caractéristique qui nous oblige de mettre cette dernière hypothèse-là à la poubelle, c'est le comportement intelligent observé sur ces phénomènes, c'est-à-dire des comportements qui réagissent à l'observateur. Il y a un des cas qui est présent dans votre livre qui m'a beaucoup bouleversé, c'est le cas de l'observation de la forêt de Rendlesham, en Grande-Bretagne, parce qu'il implique notamment des très hauts gradés, notamment
le directeur adjoint de la base militaire américaine en Grande-Bretagne, qui a été directement témoin de ce phénomène. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette observation et ce qu'il en a résulté? Colonel Charles Holt, who was the deputy base commander at the time of the event in 1980 at an American Air Force base in England in 1980. Oui, c'est le colonel Charles Holt qui est Holt, qui était et c'est un colonel américain qui était basé en Angleterre. Américain. This very famous case, the Rendlesham Forest incident or Bentwaters incident, involved two different events on different nights. One night there was an actual landing of something that was witnessed by three people, and it left a lot of trace evidence on the ground and broken branches and burn marks and radiation. En fait, il y a eu deux incidents qui se sont succédés. Il y a quelque chose qui s'est posé, qui a atterri, qui s'est posé au sol, qui a brûlé du bois, qui a laissé des marques sur le sol. And the night that Colonel Holt was involved, there were a lot of different phenomena in the sky. And he has always used the phrase that I think Stefan was referring to, that they appeared to be under intelligent control. Et il y a un autre événement auquel le colonel Holt a assisté. Et là, il mentionne vraiment un comportement intelligent et une réaction de ces objets. He was able to witness objects maneuvering among the trees, for instance, so they had to know how to get around and not hit the trees and just kind of get around through them. Par exemple, il a été témoin de ces objets qui manœuvraient à travers les arbres, parce que c'était une forêt, et donc ils étaient capables de détecter, de les contourner. Other objects in the sky shot beams of pencil-thin beams down within feet of where he and his men were standing. Et un autre phénomène, envoyait des rayons très très fins, et envoyait des rayons de lumière comme ça sur le sol à quelques dizaines de centimètres de là où se tenait le colonel. So the implication was that they were aware or acknowledging somehow that the men were there, and that's why they put the beams down in those locations. Donc la conclusion, c'était que en fait ces objets étaient tout à fait conscients de la présence des hommes qui étaient là, et c'est pour ça qu'ils envoyaient ces rayons à un endroit qui ne leur faisait pas de mal, mais en même temps était tout près. Some of the situations that really give me goosebumps are cases where, and there was one like this in the Belgium wave, of somebody flashing their car lights at an object and the object responds by flashing back. Alors moi, ce qui me donne à moi la chair de poule, et il y en avait d'ailleurs dans la vague belge, c'est quand il y a des témoins qui sont là et qui font des signaux avec les phares de leur voiture et que l'objet leur répond. In the Belgium, there was a couple that experienced that. Also in America, during the Hudson Valley wave, which is a wave of sightings similar to Belgium that took place just in the decade, in the early to mid-80s, just prior to the Belgian wave. Same thing, with the cars shooting lights, and then they would respond with the same number of blinks. Donc, c'est arrivé pendant la vague belge, mais la même chose était arrivée dans la Hudson Valley aux États-Unis, un peu avant la vague belge, justement. La même chose, c'est-à-dire des gens sur Terre qui faisaient des signaux avec les phares de leur voiture et les objets qui répondaient en clignotant en le même nombre de coups de lumière, si j'ose dire. So it's possible that a lot of these truly unidentified things could be drones, could be uninhabited or whatever, but obviously there's enough cases where there is intelligence demonstrated of direct responsiveness to the environment and to the human beings that are on the ground. Donc, il est possible que beaucoup de ces objets soient des drones ou des choses inhabitées, ça c'est tout à fait probable. Mais il y a tous ces cas, enfin il y a aussi ces cas où il y a cette démonstration d'intelligence et de réponse aux humains qui sont sur le sol. One other quick example, the case that General Debrow mentioned in Peru, where there were 1,000 witnesses at the base, and the pilot was sent up to chase this thing that was in the sky. Un autre exemple, bref, là, c'est au Pérou, justement, quand on a envoyé un pilote dans son avion de chasse pour chasser cet objet.
On numerous occasions, I think maybe three times, the pilot was just about to fire at the object, and which was hovering. And just at the moment when he was about to fire, it just shot straight away. It's just uncanny, as if there was some kind of awareness that it was about to be fired on. It was only at the last minute that it zoomed away. Et donc, je rappelle qu'il y avait des milliers de personnes qui ont été témoins de ça. Et à chaque fois que le pilote était sur le point de tirer sur cet objet, l'objet, zoom, partait à toute allure, exactement à cet instant-là, à cette seconde-là. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots sur votre initiative actuelle et vos espoirs? Yeah, I mean, you have to have a lot of hope when you're dealing with the American government because you don't have much else to go on. Oui, il faut avoir beaucoup d'espoir hein, quand on s'adresse au gouvernement américain. But I'm mainly John Podesta, who is he was the former chief of staff of President Clinton, and he's now working with the Obama administration in Washington as an advisor. Donc John Podesta, qui était chef de cabinet, j'ai cru comprendre, sous Clinton, et qui aujourd'hui est un des conseillers de Obama. And he has written an introduction to a foreword to the book, and he's very much a supporter of the work that I'm doing. So he's sort of my link into the Washington establishment, and he has helped the process by setting up meetings for me with people and briefings at his institute in Washington, and General Debrouwer came and spoke to one of those meetings. Donc il a écrit la préface de mon livre et il soutient mon initiative justement en organisant des rencontres, des rencontres de mise au point, comme ça pour faire pour rassembler les personnes que ça intéresse. Et le général Debrouwer est venu à une de ces rencontres. And so I'm just hoping that while before Obama leaves office, since he's more free in the last few years to do different things, that we may just be able to get just one staff person set up somewhere, hopefully within the executive branch. They have something called the Office of Science and Technology Policy in the White House. Donc mon espoir, c'est que Obama, bon, dans les dernières années, il est un petit peu plus libre de faire des choses qui l'intéressent, et j'espère juste qu'il va pouvoir nommer au moins une personne, only one person or a staff? We're only one will do. Bon, déjà, si c'était une personne, ça serait mieux s'il y avait une équipe, bien sûr, mais s'il y avait déjà une personne qui soit nommée pour faire ça, c'est-à-dire rassembler toutes les informations. And it might even be somebody who's already there, but would be willing to take on, say, a six-month study of to even decide whether this is worthy of investigation and would work with an outside group of people who could advise him or her. Et ça pourrait être quelqu'un qui est déjà nommé, qui est déjà aux affaires, mais qui pourrait passer six mois d'investigation, d'enquête sur le sujet pour décider si c'est un sujet qui vaut la peine d'être approfondi et qui pourrait recevoir des conseils de personnes extérieures. It has to be done this way, very, very small and very quietly. Maybe if the person did a six-month assessment, there would be no knowledge of this in the media or anywhere. But this is the way we have to operate in Washington because there's so much resistance to allowing something like this to happen. En fait, il faut que ça se passe comme ça, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très, très subtil, qui ne fasse pas de bruit. Parce qu'il y a tellement, à Washington en tout cas, il y a tellement de résistance que, voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut s'y prendre, quelque chose de tout petit. One of the things I'm doing at my next meeting is I'm going to bring, I've already prepared a one-page, very concise overview about JPON, about how long it's been in existence, how it's structured, how it functions, why it exists. They can look at that we have an agency in this country that works. Same thing with the Chilean agency, which I've been spending a lot of time with, a very concise paper showing how these other government agencies are very effective and maybe America can use them as a model. Il faut que ce soit tout petit pour pas que ça puisse s'ébruiter, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait trop de personnes impliquées. Et une autre chose que je vais faire à la prochaine rencontre, je vais faire un petit papier, une vue globale pour présenter ce qu'est le GEPAN, ce qu'ils font, comment ça a été créé, quelles sont leurs actions. Et je voudrais présenter également l'agence chilienne et pour pouvoir présenter ça dans cette rencontre au gouvernement américain, leur donner une idée de ce qui est possible, de ce qui peut être fait.
So I'll keep working on it, but I have to tell you, it's very, very difficult, but I'll keep working on it, that's all I can do. Bon, je continue à y travailler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très, très, très difficile, mais bon, j'y suis, je continue à y travailler. Merci. Merci. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas possible de reproduire cette expérience de voir des ovnis, mais en fait, on voit sur Internet des documents qui montrent des associations de personnes, des groupements de personnes qui regardent le ciel avec des lunettes infrarouges. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Et il semblerait qu'avec ces lunettes infrarouges, on puisse voir un peu partout des objets curieux. I'm not an expert at all on any kind of technology or photography or that kind of thing. Je ne suis pas du tout experte hein, dans toutes ces sortes de technologies ou de photos ou ce genre de choses. But I have seen the kind of imagery you're talking about, and I know people who have captured it, so I think it's very legitimate. And you can see things moving along. You have to be sure they're not satellites. But I have a friend who has captured very interesting footage that way. Donc moi j'ai vu des films qui montraient ça et j'ai des amis qui ont filmé et qui s'intéressent beaucoup à ça et on peut voir effectivement des choses qui bougent et qui se déplacent de cette façon-là avec des lunettes infrarouges. Il faut vérifier, il faut bien s'assurer que ce ne sont pas des satellites, bien sûr. Yeah, you just have to be sure you can eliminate everything that it could possibly be and then you have something. Donc, il faut déjà vous assurer que vous pouvez éliminer tout ce que ça pourrait être, les satellites et autres, et puis après, là, il reste quelque chose. En France, nous sommes dans un pays sceptique, où tout le monde, même quand on voit quelque chose, c'est compliqué. Et nous avons, semble-t-il, une organisation d'enquête et de recherche qui fait des envieux. Donc ça, c'est plutôt flatteur. Et aux États-Unis, qui est un pays où, d'après certains sondages, les Américains sont convaincus du phénomène OVNI, il semblerait qu'il n'y ait rien du tout et que ça pose un problème. Et on a du mal à croire que les Américains, les gouvernants ou d'autres choses, je ne suis pas particulièrement attachée à l'idée d'un gouvernement secret, mais que personne ne s'intéresse au phénomène, a priori, officiellement. Ça me paraît très curieux. Je voudrais savoir votre avis, Madame Kitt. Well, I hear your frustration and I share that frustration and also that kind of disbelief is how could this be possible that they could be so detached when so much is going on? And so many people believe it, as you say. J'entends votre frustration et je la partage. Et je pense également, mais comment est-ce que c'est possible? Alors qu'il y a tellement de gens qui, comme vous l'avez dit, qui y croient, qui s'y intéressent et qu'on en parle autant. And I don't really have, I don't have the answer. I just know that the politicians, if you're talking about them, the people in office, don't think about it because they're overwhelmed dealing with all these other issues that they have to do in government. And if they don't know anything about UFOs, they're not going to be concerned about them. Et donc je n'ai pas la réponse, hein, mais tout ce que je sais, c'est que les politiciens, ce qu'ils disent en tout cas, c'est qu'ils sont tellement occupés à gérer ce qu'ils ont à gérer qu'ils ne se posent même pas la question des ovnis, des pannes, des phénomènes aéronautiques non identifiés. And just one more thing also, again, then the question becomes, well, shouldn't this be something for the scientists? The scientists can't get any grant money or funding to do research because the government has closed the door, which creates a sense of denial and ridicule. So we're just sort of stuck in this deadlock situation. Et en ce qui concerne la recherche qui devrait ou qui pourrait être faite par des scientifiques ou des universités, ça n'est pas possible parce que le gouvernement a mis comme un verrou avec cette histoire de ridicule. Et c'est vraiment, tout ça est complètement verrouillé. Donc c'est pour ça que les scientifiques ne peuvent pas obtenir les moyens, les subventions pour pouvoir faire des recherches. L'autorité qui est en charge de la défense aérienne des États-Unis, c'est quelque chose d'important. Bon, tout ce qui s'est passé avec 9/11 et tout ça. Je crois que pour une telle autorité à devoir essayer de résoudre un problème qui ne peut pas être résolu, est un obstacle énorme. Donc, moi je crois, et c'est une hypothèse, que ces autorités ne vont pas s'engager dans un problème aussi complexe
s'il y a des rapports à gauche et à droite des intrusions dans l'espace aérien américain et que cette autorité ne pourrait pas répondre clairement à l'origine de ces intrusions. Et je crois que c'est la raison pourquoi ils prennent leur distance de ce phénomène. I just wanted to comment though, you mentioned MUFON. And they try to be as scientific as it's a civilian-run organization that has volunteers all over America. It's a volunteer organization, so a MUFON can receive reports from people who see things, but they can't do much more than that because of the lack of resources. It's still a problem, but there are, you know, places in America where people can go to give their eyewitness reports. Oui, vous avez mentionné une association ou un groupe qui s'appelle le MUFON, et là c'est un réseau en fait de bénévoles partout aux États-Unis. Alors ils sont très bons, ils peuvent très bien récolter les témoignages et les rassembler, mais ils ne peuvent pas vraiment faire de recherche et étudier ça plus en profondeur parce qu'ils n'ont pas les ressources pour ça. But in order to really get any place in an investigation, this is the reason you need an official agency is because they can then get access immediately to all the data they need to do an investigation, such as interviews with pilots, radar data, weather data, everything immediately. And when you just have civilians, they have to file long Freedom of Information Act requests. They can't do interviews with anybody, and they don't have the necessary means to get access to the right information. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment important qu'il y ait, que ce soit officiel, hein, qu'il y ait une personne ou un groupe ou quelque chose d'officiel, parce que si c'est officiel, ces gens-là vont pouvoir avoir accès à toutes les informations, à tous les témoignages, à tout ce qui a été filmé, tout ce qui a été dit. Alors que quand ce sont des civils, ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas interviewer, ils ne peuvent pas récolter certaines informations, donc ils ne peuvent pas autant travailler autant en profondeur. Sur ce type de sujet assez controversé, on néglige souvent le facteur crétin. Et le facteur crétin est quand même extrêmement présent dès qu'il s'agit d'autorités officielles, de gouvernement. Cette attitude-là, crétine, de ne pas vouloir s'intéresser à quelque chose parce que justement, comme le disait le général de Bourbon, on va se heurter à l'inconnu, donc on préfère ne pas s'y plonger. Je me rappelle une discussion que j'avais eue avec le général Rondeau il y a une dizaine d'années. Le général Rondeau était à l'époque responsable du renseignement au ministère de la Défense et un personnage dont tout le monde a entendu parler quelques années après avec l'affaire Clearstream. On parlait du sujet des ovnis et il m'a dit « Mais moi, j'ai été un ovni une fois. » J'étais un peu interloqué, donc je lui dis « Racontez-moi un peu plus. » Et il m'a dit « Dans les années 50, je faisais partie du service action de je crois que c'était la DST à l'époque, enfin, je me trompe peut-être du service. C'était un jeune gaillard assez musclé. Et on faisait des entraînements dans le cadre du réseau Gladio, qui était un réseau de résistance dormant pour se prémunir d'une invasion soviétique plus tard. Et on faisait des entraînements nocturnes en hélicoptère, en dépose d'hélicoptère, avec d'autres soldats. Donc nous, on était en noir, on était camouflés en noir, les hélicoptères étaient camouflés en noir. On se posait très silencieusement dans des champs avec un gros phare qui s'allumait au dernier moment. Et effectivement, il nous est arrivé une fois de voir dans le journal une observation d'OVNI. En fait, l'OVNI, c'était nous, c'était notre hélico de la nuit d'avant. Bon, et là, je lui demande à la fin, je dis, mais en dehors de ça, il y a des fois où c'était pas votre hélicoptère. Il m'a regardé avec ses petits yeux particuliers, et puis il a rien dit. Mais je pense que des gens qui sont comme lui en charge, et comme sans doute aux États-Unis, sans doute en France, sans doute ailleurs, en charge de la sécurité du pays, comme le général Letty, qui a ensuite initié notamment le rapport Cometa, quand on est en charge de questions cruciales et très pragmatiques comme la sécurité d'un pays, on doit s'intéresser à ces phénomènes-là. On s'y intéresse, et assez rapidement, dans le cadre du phénomène OVNI, on s'aperçoit que ce phénomène-là n'a aucune explication conventionnelle, et comme me l'ont dit beaucoup de pilotes, ne semble pas être menaçant. Donc on ne comprend rien, on ne sait pas ce que c'est, on va risquer de se faire traiter de guignol si on en parle. Bon, on n'en parle plus. Et que ce soit dans les renseignements, que ce soit dans l'armée, je crois que ce facteur-là concourt énormément au fait que ce phénomène-là ne soit peut-être pas pris à la juste mesure par les autorités, par tous ceux qui devraient le prendre en charge. Voilà. Les implants et les travaux de M. Roger Gier. Est-ce que vous avez entendu parler de M. Gier? Et ces implants ne constituent-ils une preuve physique, matérielle d'un objet non terrestre, de fabrication synthétique d'objets synthétiques non terrestres?
I've met Dr. Roger Lear and I am familiar with his works, vaguely familiar. I can't say that I'm an expert at all on the work that he did. I know something about it. J'ai rencontré le docteur Roger Lear et je connais ses travaux. Je ne peux pas dire que je suis vraiment une experte et que je suis un peu familiarisée avec ses travaux. I think it's really fascinating, absolutely important that he was able to remove these kind of anomalous bits of material from people. My understanding is that from the laboratory studies, they're very suggestive and intriguing, have very unusual properties, but they don't constitute actual proof that these objects are from somewhere else, that they could come from here. That's the way I understand the work. Je trouve remarquable le travail qu'il a fait d'enlever ces objets, ces implants ou ces objets qui étaient dans les corps de ces personnes. Et ces objets sont vraiment très intrigants et très étonnants et très, très, très curieux, mais il n'y a rien qui puisse prouver à l'heure actuelle qu'ils viennent d'ailleurs que de la Terre. En deux mots, j'explique peut-être pour ceux qui ignorent un peu ce phénomène. Le monsieur et Leslie parlent d'un chirurgien américain qui a, depuis quelques années, entrepris d'enlever des implants que des personnes disent avoir à l'intérieur de leur corps après des enlèvements extraterrestres. Ce phénomène est étudié depuis pas mal d'années, ça fera l'objet sans doute d'une autre conférence. Ces expériences de contact rapproché, d'enlèvement, parfois traumatisant, sont aussi une réalité. C'est une réalité qui parfois est liée au phénomène OVNI, mais pas systématiquement. C'est un sujet en soi extrêmement important. Si l'INRES existe, c'est parce qu'il y a un psychiatre américain qui s'appelait John Mack qui s'est intéressé à ce phénomène-là, que j'ai rencontré et qui m'a profondément impressionné par son honnêteté intellectuelle et son ouverture d'esprit sur ce sujet qui est peut-être le sujet le plus abracadabrant qui puisse exister. Donc dans les gens qui vivent ce type d'expérience ou qui disent vivre ce type d'expérience, il y en a effectivement un certain nombre qui disent avoir, et parfois on a des radios, on a des éléments assez tangibles aussi, et le docteur Lear en a enlevé quelques-uns, des implants qui sont dans le visage, le crâne ou le pied ou la jambe de ces patients. C'est vraiment un sujet à part entière qui fera, je l'espère, l'objet d'une conférence un jour, parce que ça mérite qu'on s'y penche longuement. Voilà. Aujourd'hui, à notre connaissance, nous, Européens, les Américains ont environ 25 ans d'avance sur nous, à notre connaissance. Maintenant, à notre non-connaissance, ils ont aussi certainement beaucoup d'avance. Voilà. Donc, je ne peux pas croire que, à l'époque des avions furtifs, à l'époque des écoutes téléphoniques secrètes, personne que tout le monde découvre comme ça, qu'il n'y ait pas des connaissances très avancées sur Terre et qu'on ne soit pas partagées. En Europe, toute activité spatiale confondue, on dépense environ 10 euros par an par habitant des pays membres de l'Agence spatiale européenne. Les États-Unis, c'est 4 ou 5 fois plus connu. Et on sait que c'est peut-être 2 fois plus en black program, c'est-à-dire en programme secret, qui font que dans ces programmes secrets, comme ils ont plus d'argent, ils peuvent faire plus de travail de recherche, d'innovation que nous, mais en laboratoire. Et de temps en temps, il y a un produit qui sort, c'est un avion furtif, un peu plus performant que les autres, mais ce n'est pas plus que ça. Il n'y a pas de... Les programmes pratiques exploités dans le spatial, dans le militaire, sont connus. Ce qu'on ne connaît pas, c'est uniquement ce qui est en laboratoire par des gens qui travaillent dans le secret, qui ont beaucoup d'argent pour faire beaucoup de recherches, financer beaucoup de PhD, de doctorants dans la physique des plasmas, physique d'antimatière, etc. Mais c'est que de la recherche fondamentale et pour faire avancer plus vite l'innovation. Mais il n'y a pas, des choses vraiment secrètes qui parfois volent à l'insu de tout le monde, invisibles. Enfin, il n'y a pas le gros delta dont vous parlez. En tout cas, oui, il y a un delta dans les budgets et ça explique un delta dans certaines avancées en physique fondamentale, en innovation, mais pas autant que ça dans ce qui est vraiment pratique et utilisé, exploité aux yeux de tout le monde. J'ai entendu parler d'une récurrence d'observation de flux au-dessus des sites nucléaires. Je dois savoir si c'est vrai ou faux, si vous avez l'info là-dessus. Et si c'est vrai, pourquoi ce genre de site n'est pas capable. There's an American researcher by the name of Robert Hastings. If you're interested in that question about sightings over nuclear installations, he's written a long book
And we've been researching this for many, many years. So there have been sightings over sensitive areas. I'm not sure, though, we can assume. Il y a un chercheur, Robert Hastings, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, justement sur les sites nucléaires. Donc c'est vrai qu'il y a eu on a vu des UFO, des pannes, des ovnis au-dessus de sites nucléaires, et il a fait des travaux très très recherchés là-dessus. Oui, and there were some very interesting cases in the 60s of actual bases being missile silos going down and things like that. So very interesting, but I think we have to be aware that people in the bases are very sensitive to what's going on in the skies. Il y a eu dans les années 60 aussi des missiles qui avaient été décrits comme étant tombés, silos. Mais il faut être très attentif au fait que sur ces sites-là, les gens sont particulièrement attentifs justement à ce qui se passe dans le ciel. So if there are what appear to be a lot of reports coming from bases, it doesn't mean that there are more there than there are anywhere else. It just means that they're more observant, perhaps. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup plus de rapports qui viennent, enfin de choses rapportées venant de ces bases nucléaires, de ces endroits nucléaires, ne veut pas dire qu'il y a plus de phénomènes qui s'y passent, mais simplement qu'ils sont plus observateurs. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas agressifs. Or, vous avez évoqué le cas de deux avions de chasse qui avaient rejoint ces objets et qui avaient ouvert le feu. Alors, bien sûr, ils font de la défense aérienne et de la police du ciel, mais comme il y a deux pilotes sur ce plateau, est-ce qu'on peut leur demander leur sentiment sur la philosophie qui va ouvrir le feu sur des appareils qui ne sont pas hostiles? C'était le cas péruvien, je crois. Donc, c'est un cas où le pilote voulait... Il y a deux cas, puisqu'il y a encore un cas iranien aussi. Iranien, oui. Iranian, right. Donc, le cas en Pérou, il croyait que c'était un engin qui venait espionner la base. C'était au-dessus d'une base aérienne. Et la première réaction a été, bon, on vient espionner, on ne sait pas qui et tout ça, donc il faut descendre cet engin. Donc c'était ça le raisonnement. Oui, il a donné l'ordre. Donc un autre cas était en Iran, c'était le général Jafari. Il a intercepté un objet en vol de nuit aussi, et on lui a donner l'ordre de tirer, puisque là aussi, on croyait que c'était des espions et des intrusions inacceptables. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris action. De notre côté, la force aérienne belge, moi j'ai toujours dit, pas d'agression s'il n'y a pas d'agression de l'autre côté. On ne sait jamais, il faut pouvoir se défendre. Mais s'il n'y a pas de signe d'agression de l'autre côté, il ne faut pas commencer à tirer, ça c'est évident. Yeah, the Iranian case, he was genuinely frightened because there were these objects coming towards his airplane, but they didn't intercept, they didn't hit the airplane. You could argue maybe that was aggression. He certainly felt that he had to defend himself. Donc, but Jafari, I think afterward, he wouldn't have called it aggression. Jafari, le pilote iranien, il s'est senti agressé parce qu'il y avait ces objets qui venaient vers lui, mais en fait, qu'ils ne l'ont pas touché et qu'ils ne l'ont pas abordé. Donc, je crois qu'à posteriori, il n'aurait pas appelé ça une agression. Mais sur le moment, il a tiré parce qu'il a cru que... Il a voulu tirer, mais son système était gelé. Oui, c'est vrai. Donc, c'est sa version. Donc, il a mis tout en ordre puisque c'était en F4. Donc, il y a deux. Il y a un pilote et un system operator. Il a donné l'ordre de mettre tout prêt pour tirer, et en certain moment, ils ont perdu tout. Le radar, tout était gelé. Ils ne pouvaient plus rien faire, et cet objet s'est éloigné. C'est comme il rigolait de nous. Ça, c'était sa réaction. The point is that if they had wanted to be aggressive, they certainly could have harmed him, and they didn't. La question, c'est que, en fait, là où on veut en venir, c'est que s'ils avaient voulu être agressifs avec lui, ils auraient vraiment certainement pu le faire et ils ne l'ont pas fait. Merci à vous tous d'avoir été là et à la prochaine dans 15 jours. Bonsoir.